Ça fait longtemps que je voulais enregistrer les leaders orchestrés de Schubert. Je pense que ces orchestrations éclairent beaucoup. C'est souvent des couleurs surtout différentes, un climat, le caractère dramatique qui est parfois accentué. On joue de ça, sachant que les puristes préféreront toujours les versions avec piano parce qu'il y a une forme d'austérité et de vérité qui se dégage dans les versions piano seul. Moi, je dirais que c'est comme quand vous avez plusieurs meilleurs amis, vous aimez bien les deux et voilà. Donc pour moi, c'est la même chose. In einem Bächlein hält, da schoss sie frohe ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestad und sang in süßer Ruh des munten Fischleins Bad im klaren Bächlein zu. Des munten Fischleins Bad im klaren Bächlein zu. C'est sûr que c'est tellement un tube planétaire que mon parti pris a été de dire « jette-toi là-dedans avec tes armes, avec ta voix, avec la conception que tu as du texte ». C'est pour ça que le travail à la table en amont sans musique est important, surtout dans la truite, parce qu'il y a énormément de textes, il y a beaucoup de choses à dire. Je me suis un peu lancé dans la truite à corps perdu pour pas avoir de pression particulière et me dire « ce sera comme ça et ce sera ma version, finalement ». Pourquoi pas ? I remember when I was in Bayreuth rehearsing when my agent called me to ask for this program, and my immediate reaction was, oh yes, because it's songs and singing. I love singing songs. It's like a miniature opera, and then with orchestra, it's such a pleasure to create something together. Pour moi, Schubert a une place très importante parce qu'il fait partie des pré-romantiques et c'est un mouvement musical que j'adore parce que le moment où on commence à parler vraiment de l'humain, même si on a parlé avant, mais là de façon plus sensible, sans être trop dirigé vers le jeu comme ça pourra évoluer plus tard. Et je pense que c'est un compositeur qu'il faut qu'on redécouvre en France parce qu'il est relativement peu joué et relativement peu populaire, alors qu'en fait, c'est peut-être un des compositeurs qui parle le plus directement aux hommes.